When I was growing up, my father had this little box of recordings. And it was all these great French crooners like Jean Sablon, Charles Trenet. But there were a couple of records of Edith Piaf. And just looking at her, she looked so tragic to me, I didn't even want to listen. It took a broken heart, my broken heart, when I fell in love for the first time. The first song that I put on was called C'est l'amour. It's love that makes you dream. It's love that makes you cry. Without tears, you cannot claim the right to love. I thought, my goodness, she's talking about me. So I listened on, and I never stopped. Merci bien. Bonsoir, mesdames et messieurs. Good evening, ladies and gentlemen. Edith Piaf. There will never be another Edith Piaf. But out of her ashes will come out new voices that she will deeply inspire. And that's what I am, deeply inspired. This evening, it is my honor to bring to you the life of Edith Piaf through her song. She was born Edith Giovanni Agacion in the poorest of neighborhoods in Paris, Ménilmontant. Her mother, Lina Marsa, a coffee house singer and a drug addict, gave birth to her on a cape of a passing policeman, and shortly after that, she abandoned her. J'en suis né pas sage de la bonne graine. J'en ai pris de la graine et pour longtemps. Je travaille comme un chien toute la semaine. Je vous jure, le patron, il est content. Mes amis se sont mis en colère. C'est pas bien malin ce que tu fais, non? Font ce qu'il faut, mais toi tu exagères.
tu verras qu'un jour tu le regretteras. Oh, je m'en fous pas mal. Il peut m'arriver n'importe quoi, je m'en fous pas mal. J'ai mon dimanche qui est à moi, c'est peut-être banal. Mais ce que les gens pensent de vous, ça m'est égal. Je m'en fous. These were supposed to be clover, carefree and carelessly wild. Mine when he tells me it's over. I fall apart like a child. I didn't care until the flame became too cool. I didn't care. But now I'm falling like a fool. It isn't fair. And I keep saying as I fall, I shouldn't care. At all. This thing about Edith Piaf, it was never about the tragedies of her life or how many lovers she had. Only God knows, she had a few. To me, it was always about the music and the stories in the songs. They grabbed me by the heart and never let me go. I made it my quest to go to Paris and find out all I could about Edith Piaf and meet the people that had been so close to her. We gathered in a small bistro to remember her. And the more the wine flowed, the more the stories flowed. I was so excited to see them all. Madame Doris Conté, the widow of Piaf's lyricist, Henri Conté. The singer Jacqueline Boyer. Marcel Cerdan Jr., the son of the middleweight boxing champion of the world. Monique Chevigny, her husband Robert was Piaf's lifelong conductor. Rosalie Dubois, the flamboyante chanteuse with panache. I could hardly wait my turn to embrace Michel Rivecauche, one of Piaf's favorite writers. D'abord, je veux vous remercier du plus profond de mon cœur pour être tous là. Vous êtes des légendes non seulement dans le cœur des Français, mais le cœur des Américains. Et nous sommes venus ici et nous avons bravé les cieux et les temps difficiles pour être avec vous, et ça vaut le coup. Je viens de voir une vedette extraordinaire. And we were wonderfully surprised by the presence of Francis Lay, the composer of A Man and a Woman and Love Story. Que vous soyez là, je vous en prie. Quel bonheur. Merci. Et bien, puisque vous êtes là, c'est vrai que j'ai changé, j'ai vieilli, Marcel Cerdan, mais tiens, prends des tambours, regarde. Ah, tu sais, je suis tellement timide que je regarde personne et je vois personne. Je suis désolé. Tu es en train de regarder, comme si tu es en train de me regarder un monstre. Tu ne tiens pas honte ou quoi? J'ai tellement honte. C'est pas... Bon, je... Oui, c'est là-bas. People all over the world, where you say Piaf, she is the excuse for great friendships and great conversations. Et quand j'ai commencé avec Piaf, c'était par le plus pur des accidents et par elle devait faire l'Olympia. Et donc elle devait faire une audition, si on peut appeler ça, avec Mouloudji qui passait sur la butte Montmartre. Et comme j'avais écrit beaucoup de chansons pour Mouloudji, il s'est trouvé qu'elle est venue écouter le soir son tour de chant, et qu'à la fin du tour de chant, elle nous a tous amenés avec Bernard Dimé, Claude Figus, Théo Sarapo et moi-même avec l'accordéon, et elle nous a amenés chez elle, et c'est là où on a commencé à faire de la musique. Et donc on a joué toute la nuit pratiquement, et c'est à la fin de la nuit qu'elle m'a demandé: mais vous avez un style d'accordéon qui me plaît, est-ce que ça vous amuserait de devenir mon deuxième accordéoniste? Parce que Marc Bonnet restait quand même son accordéoniste fétiche, et ça c'est, j'y tenais absolument, donc comme deuxième accordéoniste. Et c'était mon rêve d'enfant. Quand j'ai commencé l'accordéon, mon rêve c'était de devenir un jour accompagnateur de Piaf. Edith went on to live with her father, Papa Gassion, who was not much of a father. You see, he was a drunk and a womanizer. So he decided, in a moment of reason,
To send young Edith to live in a better surrounding, he thought, at his mother, who kept a bordello in Normandy. So in this decor, Edith was raised. Shortly after she came to her grandmother's, she became partially blind. Oh, the poor girl was bumping into the furniture all day long, and the ladies in the house could not bear to see her that way. So they decided to go and pray to the Sainte Thérèse de Lisieux for a miracle, because you see, the ladies of the night believe in miracles too. So there they were, and you have to just imagine the scene. All these women in their tight dresses and franfreluche and plume and high heels, enough to make a priest blush. But there they were, and they prayed all day. Lo and behold, a few weeks later, Edith recovers her sight. This song talks about a child that cannot see. T'es beau, tu sais, et ça s'entend lorsque tu penses. T'es beau, c'est vrai, ça me rend plus belle quand tu m'embrasses. Je te dessine du bout des doigts ton front, tes yeux, ta bouche. Comment veux-tu dessiner ça? La main me tremble quand j'y touche. Des beaux, mon grand, que moi vois-tu, je suis si petite. Des beaux tout le temps, que ça me grandit tant que j'en profite. Reste là, ne bouge pas, laisse-moi t'imaginer. T'as l'air d'être l'été, celui qui pleut jamais. Reste là, ne bouge pas, laisse-moi quand même t'aimer. Je ne peux même pas penser que je te mérite. T'es beau, tu sais, ça m'impressionne comme les églises. T'es beau, c'est vrai, jusqu'à ta mère en est surprise. Tu me réchauffes et tu m'emportes, tu fais soleil, tu fais colline. Viens contre moi, il pleut dehors, mon cœur éclate dans ma poitrine. C'est beau partout, c'est trop facile d'être sincère. T'es beau, c'est tout, t'as pas besoin de la lumière. Il était beau et c'était vrai, mais la gosse ne le voyait pas. Ses yeux perdus à tout jamais lui ont pleuré quand il guidait ses pas. T'es beau, tu sais. C'est vrai. T'es beau, tu sais. T'es beau. C'est vrai. Piaf married only twice in her lifetime, once in 1952 to a crooner by the name of Jacques Pills. Actually, you know, she
didn't have any qualms about taking somebody's man. He was married to the great singer Lucien Boyer. Well, that didn't faze her much. She really liked him. And it didn't last long. He couldn't take it. Her lifestyle was so chaotic. It was a soothing period for her, the period of Jacques Pils. But the truth of the matter, the greatest love for her was Marcel Cerdan. Quelqu'un m'a offert cette photo ce matin, il y a quelques heures. Je ne peux pas vous dire, je suis si émue de la voir déjà. Vous êtes aussi beau que votre père. Et ce qui est merveilleux, c'est que vous êtes juste à côté de la grande chanteuse Jacqueline Boyer, qui a quand même partagé un petit peu. C'est votre jeunesse. C'est ma jeunesse. Parce que Jacqueline Boyer, dont le père Jacques Pils avait épousé Edith Piaf, voilà, en 1952 à New York. Est-ce que tu te souviens quand Edith nous avait emmenés, nous habiller à la Belle Jardinière? Elle avait décidé qu'on s'habille tous les trois ou tous les quatre, tous les trois pareils. Et on était ressortis du magasin avec un petit manteau, une petite jupe. Moi j'avais une petite jupe, toi t'avais un petit pantalon de golfeur. Ah oui! Exactement pareil. C'était comique. C'est-à-dire que j'ai eu deux vies avec Edith. J'ai eu la vie où j'étais. J'étais à l'école, donc très jeune. Après, je suis parti, je suis retourné au Maroc. Après, je suis revenu à l'âge de 15 ans. Et j'ai vécu avec Edith jusqu'à sa mort. J'étais militaire quand elle est morte. Il y a Jean-Louis Joubert qui raconte une très belle histoire et j'adore cette histoire. Oui, c'est quoi? Il m'a dit, Jean-Louis Joubert, tu sais, quand j'ai pris Piaf à Montan me cherchait partout pour me casser la gueule. Ah oui, oui, oui. Il dit, quand ton père m'a pris Piaf, j'ai pas été le chercher. J'ai entendu ça. C'est dans le courant de la semaine dernière. C'est gracieux. Le verre comique. Oui, j'ai pas été le chercher. Mais vous aviez une histoire à raconter. Oui, j'ai raconté une histoire qu'elle me disait. Quand j'ai commencé la boxe, Edith me disait toujours, quand tu montes sur le ring, salue le public d'en haut avant le public d'en bas. Alors j'ai dit pourquoi. Elle me dit en haut ils ont payé, en bas ils sont invités. Voilà. Oh, c'est merveilleux. Ah, oui. Mais c'est les enfants du paradis. C'est les enfants du paradis. Voilà. Oh, ça, c'est parce qu'en bas ils sont invités, en haut ils ont payé. Oh, c'est un bon conseil. C'est extraordinaire quand même. C'est un bon conseil. Ouais. C'est extraordinaire quand même. At the urging of the local priest, Papa Gassion decided to have young Edith live with him again. Oh, she found him so amusing, you see. He worked in a circus, and she had to work with him. And used to go in the streets of Paris, laying a carpet and training fleas, of all things. So she was supposed to be there, sing a song, collect some money. She was so astute. She was so smart. She befriended the whores and the pimps of Ménilmontant. So she didn't need him. The greatest time for her was Christmas time, when she and the little beggars of Ménilmontant will go to the nice neighborhoods to stare the beauty and the glitter behind the window displays, knowing that all those beautiful things were always for someone else, but never for them. Petit bonhomme, où t'en vas-tu courant ainsi sur tes pieds nus? Je cours après le paradis, car c'est Noël à ce qu'on dit. Le Noël de la rue, c'est la neige et le vent. Et le vent de la rue fait pleurer les enfants. Ils s'en vont reniflant, ils s'en vont les mains vides, nez en l'air et cherchant une étoile splendide. Si tu la vois, tout en marchant, tout en marchant, chauffe-y tes petits doigts, tout en marchant, bien droit. Le Noël de la rue, c'est le froid de l'hiver, dans les yeux grands ouverts des enfants de la rue. Collant aux vitres leurs museaux, tous les petits font le gros don. Ils sont blottis comme des Jésus que Sainte Marie aurait perdu.
rue, c'est la lune, je le vends. Et le vent de la rue fait pleurer les enfants. Ils s'en vont reniflant, ils s'en vont les mains vides, n'ayant la recherche une étoile splendide. Mon petit, si tu la vois, tout en marchant, tout en marchant, chauffe-y tes petits doigts, tout en marchant, bien droit. Le Noël de la rue, c'est au ciel de leur vie, une étoile endormie qui n'est pas. Mais je crois qu'il y a une chose qu'il faut dire sur Edith Piaf. Et c'est pas les deux collègues qui sont autour de la table qui, je crois, me dédiront. Elle savait qu'on avait des chances, et que c'était même certain, qu'on allait devenir des chanteuses d'expression française, ce qui était déjà pas mal. Et de loin, elle nous regardait faire, c'était une espèce de protection, elle nous apprenait la vie à coups de griffes et à coups de... Bon. Mais jamais, au grand jamais, Edith Piaf ne nous a empêchés de faire une émission, comme certains managers ont fait ensuite avec d'autres chanteuses. Et ça, c'était la générosité de Piaf. Et Edith me dit... J'ai été voir Madame Marie Dubas et chanter cette chanson. Alors je dis, on voulait l'écouter. Alors Marie Dubas a chanté la chanson. Je crois que c'était Rosalie. Je crois que c'était vous. Alors bon, non, c'était pas moi, c'était Marie Dubas. Alors elle lui fait chanter donc, le jeûne. Elle est extraordinaire. Vous pouvez la rechanter une deuxième fois. Elle lui chante une deuxième fois. Le soir, Piaf, elle avait appris par cœur, elle a chanté le soir. Ça, en effet, hein. En effet. Je croyais que c'était à vous qu'elle avait fait ça. Ah oui, qu'elle avait fait ce coup. Parce que Raymond Asso. Marie Dubas, et était l'ami d'Edith en même temps. Donc Edith, mais c'était de bonne guerre, ça c'était normal. Mais c'est bien, c'est marrant, quoi, les trucs qu'elle apprenait par cœur. Mais ça c'était classique chez elle. Et Marie Dubas, il y a fini une bas. Ah ben oui. Edith's first love affair was with a young boy by the name of Lucien. It only lasted one night. In the morning, he was gone. Someone said that he had joined the Legion and died somewhere in the desert of North Africa. Il avait de grands yeux très clairs, où parfois passaient des éclairs, comme au ciel passe des orages. Il était plein de tatouages que j'ai jamais très bien compris. Son cou portait pas vu, pas pris. Sur son cœur on lisait personne. Sur son bras droit, un mot raison. Je sais pas son nom, je ne sais rien de lui. Il m'a aimé toute la nuit, mon légionnaire. Et me laissant à mon destin, il est parti vers le matin, plein de lumière. Il était mince, il était beau, il sentait bon le sable chaud. Mon légionnaire. Il y avait du soleil sur son front qui mettait dans ses cheveux blonds de la lumière. Bonheur perdu, bonheur enfui, souvent je pense à cette nuit et l'envie de sa peau me ronge. Parfois je pleure et puis je songe que lorsque j'étais sur son cœur,
J'aurais dû crier mon bonheur, mais je n'ai rien osé lui dire. J'avais peur de le voir sourire. On l'a trouvé dans le désert, il avait ses beaux yeux ouverts. Dans le ciel basé des nuages, il a montré ses tatouages en souriant et il a dit, montrant son cou à du papier, montrant son cœur, ici personne. Il ne savait pas, je lui pardonne. Je rêvais pourtant que le destin me ramènerait un beau matin mon légionnaire. On irait seul tous les deux vers quelques pays merveilleux, plein de lumière. Il était mince, il était beau, on l'a mis sous le sable chaud. Mon légionnaire, il y avait du soleil sur son front qui mettait dans ses cheveux longs de la lumière. Yves Montand told me something fantastic. He said, you know, don't you ever forget that Piaf had a great sense of humor. Don't show her as a tragic figure, because that's not all she was. That's not what she was. She rose above it all, and she had a great sense of laughter. Edith's life was to change forever when she was discovered by a very dashing gentleman on one of the nicest streets in Paris called La Rue Thorion. She was singing there when a very dashing man came up to her and said, but you are crazy to sing like this in the street. You are going to break your voice. So she looks at him and said, a well-dressed wise ass. What do you have, a cabaret for me? And he said, yes, I do. That one, Gernice. Would you like to come and sing in my cabaret? He was so mesmerized by her voice. Well, she was so happy. She was trailed by her half sister, Maman, and said, oh, yes, I would love to. So he said, but do you have something better to wear than these pathetic clothes you are wearing? And she promised that she had something decent to. So she went back home and knitted all day a sweater to go with this little blue skirt that she had. And she slept. Too late, her sister Maman wakes her up. Hurry up, hurry up, we are late for Le Gernice. And they go up to this cabaret. And they are pushing the door and they come in and see the most beautiful sight ever. Maurice Chevalier, oh mon Dieu, tu as vu, c'est Maurice Chevalier. Mais Miss Tinguette, all the tout Paris was there that night. And Monsieur Le Play, who was so nervous because she didn't show up in time, sees her at the door, he takes a good look at her and faints. Oh my God, what is she doing to me? Do you see what she's wearing? Oh, this is, they were carrying on and screaming. At that moment, Madame Chevalier, who was going to the powder room, heard this whole ruckus and she resolved the situation by plopping her shawl over trembling little Edith. And then she was pushed onto the stage. At that moment, the conductor shouted to her, hey you, yes you, what key are we singing this song in? Key? What key? I have no key. What is it to you anyway? Work alone. Mon Jules, ces crapules qui nous tombent sur les bras. Depuis le temps qu'on l'attend, comme une bombe, le voilà, le printemps, tout rempli de l'élan, qui applique en dansant la java. Il y a la foule dans les rues qui suit les orphéons, des épaules toutes nues et du monde au balcon. C'est la fête aux poètes, et je t'aime éperdument. Et ça tourne dans ma tête, enfin le printemps. Ne fais pas la tête, tu serais bien bête de te faire du mouron. Quand sur toute la terre, flotte un petit air.
soin, mes colis figés, pour dormir sur l'herbe en écoutant ta télé. Vise mon vieux, la sacrapule qui nous tombe sur les bras depuis le temps qu'on l'attend comme une bombe. Et le voilà, le printemps tout rempli de lilas qui rapplique en dansant. Et du monde pas le con, c'est la fête aux poètes. Et je t'aime éperdument, et ça tourne dans ma tête. Enfin le printemps, j'ai le vertige dans tes yeux. Je vois les tiges dans du bleu, je vois doubler c'est mieux. Vise mon cœur tout là-haut, qui fait du cerf-volant. Rattrape-le si tu veux, mon amour. Less than a few months before Louis Le Play was discovered murdered in his bedroom. And the first to be accused was Edith Piaf, because she was the last to see him that day. It was horrible, because here she was being slightly discovered, a chance of a lifetime, and the headline, Piaf accused of Louis Le Play's murder. Of course, she was cleared after a while. But the truth of the matter is that some of her friends were accused. Mademoiselle Piaf, pourquoi après l'attentat avez-vous indiqué le nom de vos amis? Mais je n'ai accusé personne, monsieur. J'étais obligée de dire avec qui j'étais avant, puisque on m'a questionné. Il fallait bien que je dise avec qui j'étais. Si je n'avais rien dit, on aurait eu l'air de dire que je protégeais quelqu'un. Alors j'ai dit la vérité, mais je n'ai accusé personne. The composers and the writers that wrote for her had only to sit with her to suddenly have this entire life unfold in front of them. I mean, it's, you know, it's very unusual. Her life from birth to the age of 17, even Judy Garland's Billie Holiday's life is not as amazing as hers was. La fille de Jean est belle, au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle qui lui remplit son vin. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour chercher un peu de rêve dans un bal du faubourg. Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gant, un accordéoniste qui sait jouer le java. Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas. Elle ne regarde même pas la piste, mais ses yeux amoureux suivent le jeu nerveux et les doigts secs et longs de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par le beau pardon. Elle a envie de chanter, c'est physique. Tout son être est tendu, son souffle est suspendu. C'est une œuvre et mordue de la musique. La fille de joie est triste au coin de la rue là-bas. Son accordéoniste, il est parti soldat. Quand il reviendra de la guerre, il prendra une maison. Elle sera la caissière et lui sera le patron. Que la ville sera belle, ils seront de vrais pachas. Et tous les soirs pour elle, il jouera la java. Écoute la java, mais elle ne la danse pas. Elle ne regarde même pas la piste, mais ses yeux amoureux suivent le jeu nerveux et les doigts secs et longs de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par le beau par le haut. Elle a envie de chanter, c'est physique. Tout son être est tendu, son souffle est suspendu. C'est une œuvre et mordue de la musique. Joie et triste, au coin de la rue là-bas. Son accordéoniste, il est parti soldat.
Adieu tous ces beaux rêves, son homme ne reviendra plus. Adieu tous ces beaux rêves, sa vie elle est foutue. Pourtant ses jambes tristes l'amènent au boui-boui, où il y a un autre artiste qui joue toute la nuit. Elle écoute la java, elle fredonne la java, elle ferme les yeux, ses doigts se qu'énervent. Ça lui rentre dans la peau par le beau par le haut. Elle a envie de gueuler ses physiques. Alors pour oublier, elle s'est mise à tourner, à danser au son de la musique. Love affair with America was quite grand. At first, when she came, Americans were expecting, you know, one of those girls from Les Folies Bergères, Moulin Rouge, with all their panache and their... She came with her little black dress. So they really didn't understand. And so when she went back to Paris, she understood quickly that she should learn English and she should say a little something before her song. And that way, things were opened up for her. When she came back to America for the second time, Piaf really took everyone by storm, and she was booked everywhere. All of the songs that Edith Piaf sang were not about her and her life. Sometimes it was about a character that she had seen somewhere, like Olga. You see, Olga used to be a very famous singer in the 20s and 30s and 40s. She had diamonds and lovers. And her own piano player, mind you. But time changed and years went by and the war came and she used to sing at this beautiful club called L'Argentin. Now, it is different, it's not the same. The lovers have all drifted away, the diamonds had to be pawned. And only God knows what happened to the piano player. But she comes to this bistro called L'Argentin, drunk but dignified, trailing behind her what used to be a fur. She pushes the door of the cabaret. It's smoke everywhere. Kids in blue jeans, drinking beer. She makes her way to the piano, that famous old piano. But now there are kids in blue jeans, rubbing their bodies against that sad old piano, full of dead memories. Se frottant au piano nostalgique qui était beau, le piano bon, piano vieux, piano des copains, à l'époque des copains, c'est bien beau l'Argentin, vers 3h du matin, quand elle buvait son demi d'oubli. Mais seul maintenant elle pense au vivant de ce vieux piano mort. Elle boit, elle entend les mecs, ceux de ses 20 ans tombés de l'accord. Au bar, quand elle boit, c'est vrai qu'elle revoit des mains sur l'ivoire blanc. Des mains, c'est bien beau, des mains qui lui font cadeau d'un peu du vieux temps. Son jeans, un fantôme en blue jeans, un deuxième écubuvin qui discute en copain d'un bistrot démodé, d'un piano démodé. Elle a crié, moi je sais, je sais. Elle va raconter l'histoire enfermée dans le vieux piano.
Un piano est mort et celle-là l'aimait. Quand elle était jeune et quand elle venait se saouler dedans. Pathétique. En se frottant au piano nostalgique. Alors, maintenant, je voudrais vous demander de faire un toast. Un toast à un personnage qui est tombé amoureux de Piaf après avoir été chez elle, introduit par la famille Cerdan d'ailleurs, et qui était allé en 1958. Et depuis ce jour-là, il n'a pas lâché cet amour pour Piaf. Et grâce à lui, de par le monde, les gens viennent à Paris. D'ailleurs, dans le plan de Paris, vous avez Musée Edith Piaf, qui est chez Bernard Marchois. Alors, nous voulons remercier et honorer Bernard Marchois pour le travail formidable qu'il a fait à la mémoire d'Edith Piaf. Bravo, bravo. Bravo, Bernard. Ma passion pour Edith Piaf, déjà, m'avait fait collectionner tout ce qui la concernait, les disques, des photos, des coupures de presse. Et puis un jour m'est venue l'idée que l'on devait garder en mémoire tout ce patrimoine artistique. Et donc, de ce jour-là, est né ce musée dans mon appartement. J'ai laissé la moitié de mon appartement à Edith. On cohabite tous les deux maintenant, très, très gentiment. Et c'est en prévision, je le pense et je l'espère, d'un musée de la chanson française. Sont belles alors ces chaussures. Elles sont si petites. Mais c'est les plus petites chaussures du monde. Quand on voit les semelles, c'est vraiment très petit. Mais je vois que c'est vraiment les plus petites. Oui. Alors bien sûr, elle mettait toujours du noir, comme la robe. Pareil, comme la robe. Hein, toujours pareil. En noir. Et ça, c'est son sac. Son petit sac son à main. Avec tu permets, des... tu permets. Oui, oui, bien tu sûr. Permets. Oh, mais mon Dieu, ça, c'est incroyable. Voilà. Bah, si tu permets, on peut même ouvrir parce qu'il y a des trésors encore dedans. Tu veux dire que ça, c'est les gants qu'elle portait? Oui, ce sont les petits gants qu'elle portait. Tu permets? Oui. Parce que je sais que les chaussures, déjà, je ne peux pas. Non, ça ne rentre pas. Oui, on ne peut pas la remplacer. Non. Ah, littéralement. Non. Mais je ne peux même pas mettre ces gants. Non, mais c'est tellement petit. C'est tellement non. Oui, il y avait dedans. Voilà une chose assez extraordinaire. Oh, il y avait des choses. Regarde. Dès le poudrier, que le directeur du Versailles à New York lui avait offert. Le Versailles. Tu permets. On n'ouvre pas parce qu'il y a... Il faut pas ouvrir. Il faut faire très attention. Parce que le peu de poudre qu'il reste dedans, on tient à le garder. Voilà, c'est la poudre de l'époque. Et le petit qui lave la glace, tu vois, qui nettoie la glace. Oh, c'est joli. Oui, c'est formidable. Et ça, c'est elle l'a eu en cadeau ou pas? C'est le directeur du Versailles à New York, à New York. Qui lui a offert. D'ailleurs, c'est marqué le Versailles. C'est très beau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, bah après, il y a des petites choses sans importance, mais bon, un petit mouchoir. Est-ce que c'est ça son petit mouchoir? Oui, un petit mouchoir. Avec. Voilà. C'est quoi ça? Avec une chanson. Sans amour, on n'est rien du tout. Voilà. Mais ça, c'était tu. Mais ça, c'est la Goualande du pauvre voilà, Jean. Voilà, absolument. Je la reconnais tout de suite. Oui, oui. Ah, ça, c'est formidable. Voilà, c'est plein de c'est petits fait. Souvenirs qu'elle traînait avec elle, toujours comme cela. Un drapeau qui a été offert par les prisonniers français qui étaient en Allemagne et qu'Edith avait fait évader. Ils lui ont offert le drapeau français avec quelques fleurs séchées dedans. Qu'ils lui avaient envoyé et ils lui ont envoyé le drapeau français pour avoir remercié qu'elle ait fait évader les prisonniers. Ah,
Allemagne. L'histoire veut dire que elle était la marraine du Stalag. Voilà. Et puis elle prétendait qu'elle avait des musiciens, c'est ça? Voilà, absolument. Et elle amenait de fausses cartes d'identité avec la photo de ses prisonniers et ils repartaient. Il s'évadait en fait, elle les retrouvait dans une gare un peu plus loin. Alors en fait, elle allait avec deux ou trois musiciens, mais elle revenait avec une symphonie entière. Presque, absolument, presque. Absolument. Ça c'est formidable, ouais. Elle a fait ça plusieurs fois. Plusieurs fois, mais après les autorités allemandes se sont rendues compte qu'à chaque fois qu'elle venait, il manquait des gens. Il manquait des gens. Alors donc ils ne l'ont plus réinvité. Oh, c'est ça. Ouais. Mais elle a fait évader 175 personnes comme ça quand même, c'est énorme. Oh. 175 personnes qui ne sont pas allées dans les fours crématoires. C'est la photo du clown, bravo pour le clown. C'est une peinture de Charles Kieffer qui représente moitié Edith, moitié le clown. C'est-à-dire que quand il voyait Edith en scène, il était absolument emballé, comme tout le public d'ailleurs, par ce gestuel qu'elle avait de faire. Et il dit des fois on voyait Piaf, puis des fois on ne voyait plus Piaf, on voyait un clown. Bien qu'elle n'était pas en costume. Qu'elle n'était pas du tout en costume, elle était en robe noire. Les émotions qu'elle avait. L'émotion qu'elle faisait ressentir. Et donc, Kieffer a eu cette idée de peintre de faire une demi-piaf et un demi-clown et de réunir les deux. Voilà, c'est très joli. Pensez que vraiment, peut-être, cette chanson « Bravo pour le clown » aurait vraiment démontré ce phénomène Piaf? Oui, ça le démontrait parce que gestuellement, c'était très beau. La chanson par elle-même était belle, bien sûr, mais elle avait dans cette chanson un gestuel assez extraordinaire. Ce clown, pour ses cheveux, puis son nez, puis elle avait plein de gestes comme ça, et puis elle finissait qu'elle faisait comme ça, et donc c'était assez extraordinaire. I have a friend of mine. He's a clown. He makes me laugh. I just love the way he looks. His hair, his nose. Everything about him. But nobody knows that my clown, in his heart, cries. Because the woman he loves has betrayed him. And tonight, he will cut the rope to the trapeze that holds them both. He does. And now, my clown, sits in jail, crying. Un clown est mon ami, un clown bien ridicule, et dont le nom s'écrit en gifle majuscule. Pas bon pour un empire, plus triste qu'un chapon. Il boit d'énormes rires et mange des bravos. Oh, ton nez qui s'allume, bravo, bravo. Des cheveux que l'on plume, bravo. S'accroche à ses oreilles, lui vole ses chagrins et vide ses bouteilles. Son cœur qui se dévisse ne peut les attrister. C'est là qu'ils applaudissent la vie qu'il a ratée. Ta femme infidèle, bravo.
clown est enfermé dans un certain asile. Succès de camisole, bravo de cabanon, des mains devenues folles lui pendent leur chanson. She had her heart on her sleeves. Her composers became her lovers. For example, like Henri Conté. I mean, this man was a very, very classy guy who worked in a newspaper. He was a journalist. He happened to have gone and seen her sing, and he fell so madly in love with her voice that he asked to meet her that night. She loved what he wrote about her. It was so poetic. And she told him, Henri, you must become my lyricist. That's what he did. He left his job. J'ai eu le bonheur de m'asseoir avec Monsieur Henri Conté il y a quelques années de là. Et nous sommes d'ailleurs devenus de grands amis. On a correspondu pendant de longues années, depuis 92. Et il m'avait dit que c'était sa chanson préférée. Les Neiges de Finlande. Les Neiges de Finlande. Et aussi, il m'a montré une lettre. J'espère que ça ne vous dérange pas que je vous dise. Je suis sûre que vous connaissez cette lettre. Cette fameuse lettre d'amour que Edith lui avait écrite. Il vous l'a montrée, j'espère. Peut-être. Je ne dévoile rien. Alors je ne commence pas. Attention, hein. Ah, c'est quand même. Très grave. Elle a attends, fait que son mari, toute sa vie, était droit. Oui, oui. Ah, oui. Alors là, je n'organise pas quelque chose de... C'est non, ça. Mais c'était pas, une... Non, non, mais je dois dire... D'amour, dessous, oui. Rien. Oui, c'était de très jolis mots d'amour. Ah, là, je ne montre non, pas, tu veux qu'elle fasse des cauchemars. Appelez votre avocat. Tu veux qu'elle fasse des cauchemars maintenant, c'est pas normal. Ça. Mais enfin, allez-y. Dites-moi un petit peu sur cet amour qu'il avait pour Eddie. C'était pratiquement son seul parolier pendant de 41 à 45. Hein. C'était à peu près son seul parolier. Et il l'a sorti... En fait, il l'a sorti un petit peu de son répertoire d'assaut, qui était, bon, il fallait changer un petit peu son répertoire. Et c'est Henri Conté qui lui a donc écrit toutes ses chansons, Il n'y a pas de printemps. Mais bravo pour le clown. Après. Pleure pas. Après, après, après. Merci. Et Padam Padam aussi, c'est devenu 10 ans après. Voilà, et puis ils ont toujours gardé... Enfin, c'est comme avec tous ces auteurs, il y a eu des hauts et des bas, mais elle le sollicitait quand même tout le temps pour qu'il écrive des chansons. Il était triste de l'avoir souffrir à la fin de sa vie. Ah oui, très. Il m'avait dit ça, oui. Et puis, quand il entendait une chanson à la télévision, à la radio, c'est souvent qu'il avait la larme à l'œil quand même. Malgré que, bon, ça n'a pas toujours été facile, hein, comme tous les auteurs qui ont fréquenté Piaf, mais il avait quand même beaucoup d'affection pour Edith. Everybody that came in touch with her felt her and understood that they were in the presence of someone that, through her voice, was going to touch the world. Therefore, they were so happy to serve her. That's what it was. The song, for example, was written by this great composer and this great composer, but the song, you would never know that it was written by them unless you research it. It became a Piaf song. Now Edith Piaf was becoming a very big star. But you could never take the hood out of the girl. She just loved going back there with her friends and drinking the night away. One night, as she went to this little bistro, about 3:30 in the morning, we have an expression in French that says, c'est l'heure où l'on arrose. That's the time where the barman has had enough, and so he waters the streets, it's time to go home. But no, she's there with her friends. One more for the road, please. She says, we are closing, get out of here. She says, but you don't know who I am. I don't give a
who you are. She says, but I am Edith Piaf. If you're Edith Piaf, I'm the Pope of Rome. Get out of here. At that moment, on the radio, was playing one of her songs. She goes up next to the radio and says, you hear? This is me, you fool. Vous n'étiez pas peu fière d'homme, le ciel vous comblait. Votre foulard de soie flottant sur vos épaules. Vous aviez le bol, on aurait dit un roi. Vous marchiez comme un cœur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle. J'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici, c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord. Et pas de bien vos aises. Vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port. Une ombre de la rue. Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire quand le navire s'en va. Il en est avec lui la douce aux yeux si tendres qui n'a pas su comprendre qu'elle a brisé votre vie. L'amour, ça fait pleurer comme des fois l'existence. Mais ça vous donne toute la chance pour les reprendre après. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'un môme. Laissez-vous faire, Milord, venez dans mon royaume. Je soigne les remords, je chante la romance. Je chanterai, Milord, pour ceux qui n'ont pas eu de chance. Ça, je l'aurais jamais cru. Mais qu'est-ce que c'est? Ce sont des larmes que je vois. J'espère que ce sont des larmes de joie, n'est-ce pas? Allez, Milord, chantez avec moi. Madame Chauvigny was Edith Piaf's confidante, and she tells a great story about when Piaf was first in front of an orchestra. Now, mind you, this is a woman that had only known an accordion. And suddenly she's like surrounded by all these people. So she was singing, going that way, the orchestra was going that way, so Monsieur Chauvigny stepped out and says, please, Edith, you must be in tempo with us.
You cannot just go here and ask there, it's chaos. You have to follow. She looks at him and goes, follow? You want me to follow you? I pay you enough to follow me. Donc c'était le grand regret de sa vie, et à ce moment-là, cette chanson, bon, elle a été reprise par, enfin, elle l'a proposée à pas mal de personnes, dont Louis Guy, qui lui était là, il lui a dit un jour, bon, bah, écoutez, cette chanson, bon, Robert Chauvigny n'y croit pas, est-ce que tu veux me la signer? Je voudrais quand même. Elle lui a dit, bon, bah, il n'y a pas de problème, moi je signe la chanson. Donc c'est comme ça que cette chanson, La vie en rose, a été signée musicalement par Louis Guy et... Il l'a regretté, ça, ça a été le grand regret de sa vie, parce que quand on voit la carrière aussi bien dans toutes les langues que cette chanson a fait, ça a été le grand regret, mais enfin... Mais l'anecdote, est-ce que c'est vrai que c'est quand même Piaf qui, avec un doigt... A fait les paroles. Elle a fait les paroles, mais la musique, parce que moi, elle a fait quelques notes. Ah oui, voilà, le départ de la chanson. Et puis c'est Robert qui lui a fait son arrangement, son orchestration, etc. Ah, voilà. Ben voilà. Edith Piaf had an exquisite taste in music as well. If it wasn't written for her or by her, she had a keen sense of hearing something fantastic and then ordering a lyric for it. This song was a Peruvian waltz called Que Nadie Sepa Mi Sufrir. She heard it while she was traveling in Latin America and ordered a lyric, and it became one of her greatest songs called La Foule. I would like to sing it to you in its original text first. No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón, porque al fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y posas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo bebí. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasé les contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Mais le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et traîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulever nos deux corps embrassés s'envolent, et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et en ce qui me concerne, comme moi j'ai jamais été de la nuit comme ça, j'avais un truc. Parce que franchement, je tombais, c'était épouvantable pour moi. Alors je lui disais, oh Edith, excusez-moi, je crois que je ferme les yeux là parce que j'ai une idée. Elle me disait, mais c'est vrai? J'ai une idée. Je disais, je vais rentrer parce que j'ai envie de... vraiment. Elle me dit, attention, je t'appelle demain et tu me dis ton idée. Et tout se passait et je m'en suis toujours sorti comme ça. Et cette collaboration a duré quand même... Oui, elle a duré, oui. Une vie entière. Non, pas une vie, ça a duré quelques années, en ce qui me concerne avec elle. Mais ça a été... le temps ne comptait pas. Ça a été fantastique, parce que j'ai eu beau connaître beaucoup de gens dans la chanson, mais on s'en aperçoit aujourd'hui, c'est un mythe. Et traîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emporté au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me fend, comme qu'elle m'avait donné, que je n'ai jamais retrouvé. Elle t'a tyrannisé. Vas-y, Marcel. Ah, mais ça, je le dis. Un uppercut. À tout le monde. Épouvantable. La vérité. Mais on se souvient. On se souvient que des bonnes choses. Ah non, il faut se souvenir. C'était sympathique, ça, oui. Ciel de Paris s'entend une chanson. Oh, elle est née dans
chaud. Sous le ciel de Paris marche des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe ainsi, de musiciens, quelques badauds, puis des gens parmi eux. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter. L'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité, près de Notre-Dame, parfois pour un drain. Oui, mais au bonheur, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon des marinés, l'espoir fleurit. Au ciel de Paris, sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Mais le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il est épris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Il est trop jaloux de ses millions d'amants. Oh, il fait gronder sur eux son tonnerre éclatant. Le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Ah, pour se faire pardonner, il en freine arc-en-ciel. Actually, Edith Piaf was once the highest paid performer in the world, and she died penniless. She gave her money away. In fact, when she was at the height of her career, her great friend Marlene Dietrich once asked her, "Edith, now that you are the toast of Paris, are you happy?" And Edith said to her, "If I'm happy because I have people that I don't even know coming to my house, eating my food, sleeping on my couch, asking me for money, giving it to them, sure, I'm happy." But she said, you know, if happiness is someone that loves you unconditionally, someone that will not leave you, then I guess I'm not happy, not really. And that was before she met Marcel Cerdan. The falling leaves drift by my window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the tender hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear all the winter's long, and I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall. All her life, it was a quest for finding love. That feeling of having been abandoned by her mother never left her through her life.
the greatest love of her life, she found right after the war. His name was Marcel Cerdan. He was the middleweight boxing champion of the world. They met in New York. She was singing at a little club called Le Versailles. Somebody introduced them, and they fell madly in love. Shortly after, Edith was back at Le Versailles. Marcel was in Paris getting ready to come to New York for a rematch with Jake LaMotta. When at her urging, he flew a few days earlier. That night, before the show, she was handed a telegram, and it said, Marcel's plane had crashed over the Azores. That night, she refused to cancel the show. She came out in the audience and said, tonight, I will not sing for you. I will sing for Marcel. C'est un mot quand même l'a brisé pendant longtemps. Cette mort, oui, bien sûr, l'a complètement anéantie. Il y a une très jolie anecdote d'ailleurs que l'on n'a peut-être jamais dite. Elle a dit un jour, depuis la mort de Marcel, je serai Piaf, mais Edith est morte avec lui.
sun shot down from the sky, if the sea should suddenly run dry, if you love me, really love me, let it happen, I won't care. If it seems that everything is lost, I will smile and never count the cost. If you love me, really love me, let it happen, darling, I won't care. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandes. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandes. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandes. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandes. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu veux que tu sois loin de moi, que ma dans le bleu de toute l'immensité, dans le ciel, plus de problèmes, mon amour croit-il qu'on se... C'est vrai que c'était difficile. Bon, j'ai la période où elle était à Mougins. Donc moi, comme j'étais à Nice, je suis niçois, donc j'habitais Nice. Et de temps en temps, elle m'appelait et elle me dit « Amène ton accordéon, j'ai envie de chanter. » Elle était malade. Et puis un jour aussi, elle m'appelle, elle me dit « Viens avec ton accordéon, j'ai envie de recommencer à chanter, des choses comme ça va mieux et tout ça. » Je suis arrivé avec mon accordéon et elle me dit « Viens, on s'enferme et on va. » Et là, elle a chanté « L'homme de Berlin ». Ça, je m'en souviendrai toujours, « L'homme de Berlin ». Et elle avait retrouvé la voix, sa voix pure, sa voix claire et tout ça. Et elle voulait, tu sais, qu'elle avait envie de repartir aux États-Unis, de faire de nouveau des concerts aux États-Unis. Et je lui ai dit, mais on peut, si vous voulez, préparer le tour de chant pour les États-Unis. Elle avait retrouvé sa voix. Elle n'a plus jamais rechanté. Ça a été la dernière fois. Jean Cocteau once said that if he could not hear Edith Piaf's voice anymore, if she was to die, he couldn't bear life. And fate had it that they both died the same day, a few hours apart. Look at this little woman, whose hands are like lizards darting amongst the ruins. Look at her Bonaparte-like forehead, her blind eyes that have recovered their sight. What will her voice be like? Elle a dit, tu sais, nous deux c'est fini. À quoi ça sert de s'accrocher? Il faut savoir garder sa dignité.
Et puis j'aime pas voir un homme pleurer. Il vaut mieux qu'on se quitte, bons amis. Apprends, aide-moi et souris. Alors il a fait comme elle demandait. Doucement, en partant, il chantait. La, da, da, la, da, how will she express herself? How will she be able to bring all the sorrow of the night out of that little chest? And yet, she sings. Or, more like a nightingale in April, she brings forth her love song. Elle a dit, tu sais, nous deux c'est fini. À quoi ça sert de s'accrocher? Il faut savoir garder sa dignité. Et puis j'aime pas voir un homme pleurer. Quand il s'est couché seul dans son grand lit, alors il a compris que ce serait plus dur qu'il ne le pensait. Tristement, dans son lit, il pleurait. Have you ever heard a nightingale? He toils, he hesitates, he rasps, he chokes, he begins and falters. Then, suddenly, he finds the note. He sings, and his voice overpowers you. Il a dit, je peux pas croire que c'est fini. Je sens que je vais m'accrocher. C'est très beau de garder sa dignité. Mais moi, j'ai mon cœur qui est brisé. Quand je pense au jour qui va se lever, aux choses qu'il me faudra cacher, je sens que je pourrai jamais m'habituer. Dignement, dans la nuit, il sait. Piaf was the voice of the people. She was a little bird on a rooftop. She was the cry of the heart. She was Paris. When she died, a composer said, Piaf is dead today. Paris is missing something. For all the good, for all the bad, I have no regrets. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Et non, rien de rien, non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié, je me fous du passé. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer mes amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Rien de rien, non, je
mesdames, messieurs. Et puis si on réfléchit, on se dit, du moins c'est mon avis, que dans ce monde déshumanisé, dans ce monde de violence, dans ce monde où il y a de moins en moins de sentiments, Édith Piaf continue, de par les disques, de par ses chansons, à chanter ce qu'il nous faut, ce qu'il faut aux femmes et aux hommes, c'est-à-dire la notion d'amour, la notion de paix, la notion de souvenir, la notion de vie et surtout la notion d'espérance. Alors c'est peut-être dans ce désert la petite fleur éternellement présente. Et je vous remercie. And hold me near, the magic spell you give. This is la vie en rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see la vie en rose. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. That love was just a word they sang about in songs I've heard. It took your kisses to reveal that I was wrong, and love is real. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il m'a dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Les avions sont des oiseaux de paix qui s'aiment d'amour, des oiseaux de proie qui s'aiment l'amour. Mais à chaque fois, l'amour, 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 l'amour est plus fort que l'amour. Se battait en chantant l'amour, et lui chantait la vie avec ses poings. Tout de New York à New York un jour, et grâce à de beaux oiseaux du destin, il vivrait une grande histoire d'amour. Et qu'ensuite lui, la retrouver, il reprendrait d'un autre oiseau,
les avions sont des oiseaux. Des oiseaux de paix qui s'aiment d'amour. Des oiseaux de paroi qui s'aiment l'amour. Mais à chaque fois, l'amour, 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 l'amour est plus fort que la mort. Dire que plus de 50 ans plus tard, là où le destin avait réuni ce champion et cette chanteuse à part, dans ce même New York, c'est inouï. Face à la statue de la liberté, de parmi quatre grands oiseaux de proie, porteurs de haine et de folie, tout en osant parler de foi, sont venus tuer des vies par milliers. Mais l'amour a aussitôt refleuri. Les avions sont des oiseaux, des oiseaux de paix qui s'aiment d'amour, des oiseaux de proie qui s'aiment l'amour. Mais à chaque fois, l'amour, 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 l'amour est plus fort. Chaque fois, l'amour, l'amour, l'amour est plus fort que l'amour. Thank you.